Ah bon, Thierry Jean-Michel, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec très très peu de pacotille, un maillot de l'OM et une étoile en or qui brille, que les supporters de l'Olympique de Marseille se dirigent tout droit dans l'antre du Stade Vélodrome. Ouais. Effectivement, Thierry Jean-Michel, les supporters marseillais sont heureux de retrouver leur équipe après une trêve internationale moribonde, mais ils sont surtout heureux de retrouver le pastis qu'ils servent comme une véritable crème anglaise. Ah bah Thierry Jean-Michel, je ne vais pas vous cacher non plus ma joie et mon excitation quant à vous retrouver pour cette 5e journée de championnat au bord de la pelouse. Nous allons suivre ce match attentivement, puisqu'il est déjà crucial pour la montée sur le podium. Les nombreuses fumées et vapeurs de marijuana ne me perturbent pas et j'essaye de tenir le cap. 29e minute de jeu, absolument rien à se mettre sous la dent. 0-0 ici au Stade Vélodrome. Et celui-là, de derrière, prépare actuellement son 5e stick de la soirée. C'est difficile, mais on va tenir le cap. 0-0 ici au Stade Vélodrome. Ah ben, Fantomas est ici présent et il est parti se chercher une petite bière pour la mi-temps du match ici au Stade Vélodrome. Toujours 0-0. Et Alan, le very bad trip, ne va pas dire le contraire. Alan, El Chapo Guzman ici, en compagnie d'El Professeur, qui prépare très certainement le coup du siècle. Et regardez la méfiance d'El Professeur. Allez, trêve de plaisanterie et place au football ici, Thierry Jean-Michel, sous l'œil aguerri de Monk. Et ben voilà, Thierry Jean-Michel, libération ici à la 56e minute de jeu. Florian Thauvin inscrit un but de la tête qui envoie le gardien Guingampé aux champignons. Ah, oh putain, oh non, quel but extraordinaire de Dimitri Payet, qui reprend de voler un ballon qui lui revient dessus. Excusez-moi, j'ai l'émotion qui monte. Il envoie le gardien chercher le ballon au fond du filet où il trouvera très certainement des sanguins et des cèpes. Oh putain. Thierry Jean-Michel, entre les vapeurs de marijuana et les fortes émotions, je n'ai pu me retenir et je me suis évanoui. Heureusement que quelques collègues étaient là pour me secouer un petit peu. Écoutez Thierry Jean-Michel, je me retrouve au milieu des supporters et je me pose quand même une question. Comment vont-ils faire pour éliminer tout l'alcool qu'ils ont bu en avant-match?